Les raisons qui nous ont poussés à quitter le PASEF, nous avons remarqué qu'au sortir d'une réunion que nous avons convoqué les militants, sous mandat du président du parti Ousmane Sonko, il était question donc d'élargir le bureau. Et quand nous avons convoqué, n'est-ce pas, nos militants pour effectivement donc cet élargissement du bureau, donc nous étions au nombre de 17, 4 parmi nous, n'est-ce pas, donc ont boudé la réunion parce que, pourquoi, ils nous ont demandé d'aller à des renouvellements définitifs de ce bureau-là. Alors que nous n'en sommes pas effectivement donc à la période convenue pour un renouvellement. Je pense que quand on renouvelle, il faut aller directement vers des congrès. Et je pense que ça, c'est des béabans politiques que chacun, n'est-ce pas, de nous doit pouvoir comprendre. Mais malheureusement, ils ont voulu faire du forcing. Et parmi ceux-là qui ont quitté, il y avait la sœur du président, n'est-ce pas, qui a orchestré toute cette cabale. Et apparemment, ces 4 parmi les 17, n'est-ce pas, que nous étions le jour de cette réunion, ont quitté pour partir. Et depuis lors, n'est-ce pas, nous avons remarqué une certaine division au niveau du parti. Donc apparemment, donc sur ce, depuis un certain temps, n'est-ce pas, président n'a presque cessé de communiquer avec nous la coordination, n'est-ce pas, et apparemment donc a mis l'accent sur ce groupe parce qu'il était sa sœur. Je pense qu'aujourd'hui, lui qui ne cesse donc partout de clamer haut et fort que quand on fait la politique, on ne fait pas de la politique pour sa famille, mais on fait la politique pour au moins une raison qui consiste aujourd'hui, n'est-ce pas, donc à aller vers un intérêt collectif, un intérêt public. Donc, s'il le fait aujourd'hui, nous nous disons que vraiment il s'inscrit, n'est-ce pas, donc autrement par rapport à la philosophie qu'il avait déclinée dès le départ, n'est-ce pas, au niveau de ce parti-là, qui consiste vraiment donc à avoir de la considération pour le militant, n'est-ce pas, et le mandant qui est là, qu'il a laissé. Ce n'est pas une question de renier les convictions, mais je pense que tout parti politique a une philosophie, a une démarche. Nous autres, comme vous voyez, on était effectivement dans la famille républicaine. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République a instauré ce parti à la première heure. Nous y avons milité et nous l'avons accompagné en vue de son élection, n'est-ce pas, aux investitures, n'est-ce pas, aux élections présidentielles de 2012. Donc, ce n'est pas aujourd'hui donc une manière de renier cette philosophie laquelle, n'est-ce pas, on s'était inscrit. Parce que dans ce parti, il régnait la discipline. Cette discipline était effectivement au niveau de PASSEF. Et que les critiques n'étaient pas faites de manière, n'est-ce pas, désordonnée. Et il est de l'ordre de lui-même même qui reçoit des critiques afin qu'il puisse s'améliorer dans sa gestion. Voici donc ce que j'ai à dire. Donc aujourd'hui, vous allez à l'APR grâce au président Koufia Diawara. Très bien. Nous allons à l'APR grâce au président Koufia Diawara, n'est-ce pas, recteur du moins de l'université de Ziguinchor. Une personne exceptionnelle. Une personne qui, aujourd'hui, vous l'entendez jamais dans les querelles et les divisions. Quelqu'un qui a une maîtrise, vraiment, et que nous avons salué parce que nous étions dans ce parti-là et nous connaissons son comportement. Quelqu'un qui a toujours œuvré pour la division, comment dire encore, l'union et la concorde au niveau de ce parti-là. Parce qu'il l'a toujours fait. Ça a été son credo. Aujourd'hui, vous ne le voyez que porter cette bandoulière, accompagnée de son aiguille, pour vraiment coudre les extrémités, n'est-ce pas, qui existent au niveau de ce parti. Et vraiment, quelque chose à saluer. Quand il nous a tendu la main, nous avons accepté, et ce qu'il nous a dit était vraiment clair. Que dirions-nous à la postérité? Que dirions-nous à cette génération de Ziguinchor qui, du reste, nous trouvera dans les querelles, dans les divisions, dans les critiques acerbes? Je pense que ce n'est pas ça qui construit cet État. Il va falloir que vous ressaisissiez, que vous sachiez que cette région ne peut se construire qu'avec ses fils. Il est temps aussi que vous autres, nous autres également politiques, vraiment qu'on se donne la main dans la main pour aujourd'hui la vision du président Macky Sall qui a commencé à poser des actes louables, n'est-ce pas, au niveau de cette région. Et que nous saluons dignement. Ousmane Sonko, d'abord, nous sommes président parti. Nous sommes en train depuis le départ. Sos parti Bifi Ziguinchor. Nous avons confiance en nous. Nous avons avec nous, n'est-ce pas, nous sommes en train de nous faire. Nous sommes en train de nous faire. Si nous voulons partir de nous, il faut que nous nous faire. Nous sommes en train de ñu tok ben bëss ñu dédal nañ jëm convoquer réunion pour yaatal yeen poste yi nga xamné bu amna yi amné jël nañ ko ci biir té mu nak des postes yi nga xamné say des postes en souffrance mu am ñiko jël ñu bok ci ligéy bi ñu gëna and dem mais ci réunion bobu bañu convoquer sœuram bok ci bi mu ñëwé ci réunion bi ñu décliner hors du jour bi mu nañu carrément
Parce que hors du jour, présentation de l'ancien bureau, élargissement et enfin, donc, divers. Si nous présentons l'ancien bureau, si nous déclinons hors du jour, nous allons aller à l'amendement. Quand on les a donné la parole, du coup, nous avons dit que nous avons dit parce que nous avons dit que nous un renouvellement définitif vraiment du bureau de ce parti-là. Alors que renouvellement, nous avons dit un sang. Parce que nous avons une ligne directrice au niveau de ce parti. Madame, massifier parti, c'est ce qu'on a plan d'action, c'est l'élection. Donc, si nous voulons un renouvellement définitif, d'ailleurs, c'est ce qu'on ressort, parce que c'est le bureau national qui doit donner un mandat. Coordination, yop, une ex-Sénégal, nous sommes 42 départements, et 42 départements ont 42 coordinations. Fait que nous parions renouveler les instances pour aller au Congrès. Je pense que la réponse de Blaine Ndiok, qui était, n'est-ce pas, un béaba en politique. Je pense que c'est ce qu'on a dit, vraiment, j'ai un peu politique. Wa mais xam nga rek boy ngagn ñi nga xamne ñel ñi ñu ngi koy def fenen ba paré yow nga bëkk nangu sa diwan lolu da fay nuro lenen ah manam xam nga tay questioné ni que sœuram ba militante la comme ñep parce que jot nañ ko wax man mako jox mandat mu dugg ci parti bi ligéy comme ñep kon lolu bu ko démé ba wax ko té mom mu koy ngagn ñel ni fokk na ni ah sa way waccona ak mom li nga xamne mom lay woté donc mom lañu gis ba taxna tay kenn ku nekk ci ñun war nga mëna xolaat sa bop. Donc, si vous avez vu ce qui est fait, vous savez que vous avez dit 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 que vous c'est vraiment regrettable. C'est ce que vous avez dit. Donc, si vous avez dit que vous avez dit donc, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez communiqué. Nous avons dit que nous coordination de nous négliger complètement. Il n'y a plus de communication. C'est ce que vraiment avez dit. Pour nous accompagner, nous avons dit que nous avons dit frère, Kourfia Diawara, nous avons dit que nous avons nit bi nga xamné vraiment do ko deug ci yenn ni ku tey ko xam valeur nit parce que biñu nek ci parti bi jot nañu ko won donc lolo tax tey ñun quand tu nous as tendu cette main gemuñu xaar sax xaarma yalla fofu dañ top and ak mom dem ak mom affaire lañu jëm légui tay ñuy doon ciopi li nga xamné nak bari code électoral bi article 78 juroomi bulletin électeur bi bu ko nek xamu jël ko té nonu gisé lolu mais lolu rafet la rek lu rafet la encore parce que vraiment gis nañ ni que ci 45 listes yoyu nga xamné l'électeur bi mu ñëw dugg ci vraiment donc bureau de vote ba war ko gaddu dem mu wara don lu 10 lol pour mom donc bu li démé ba vraiment mu don conscience ñu déggo ci nga xamné sa yu duggé ci bureau de vote bi tan 5 vraiment bulletin lolou day la jamu ju wër té vraiment dafa alléger la souffrance des électeurs mu waron metti lol pour kenn ku nek fogna kenn ku nek warna am conscience bop et c'est vraiment venu à son heure.